Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 97e épisode du Let Me Play de Dragon Quest 9. Et donc aujourd'hui on part continuer un petit peu le chase timing, exploration d'antre, ce qui était prévu la dernière fois en gros. Donc je sais pas si vous vous rappeliez, j'avais un plateau d'argent à récupérer dans un antre. Enfin dans un coffre en tout cas. Sauf que c'est un coffre de rang H et j'avais pas grand chose de rang H malheureusement. Heureusement dans la carte tunnel granit de l'Etresse, eh bien il y a un... plateau d'argent très rapidement disponible. Une petite manipulation à faire que je vais essayer de faire aujourd'hui. Qui en fait, le problème c'est que le plateau d'argent c'est le item disponible au bout de 7 secondes. Mais ça ne marche pas totalement comme ça sur émulateur, c'est un peu chiant. Du coup, faut que je fasse une petite manipulation. Genre, je fais la sauvegarde rapide du début avec le chess timer, puis je descends cet escalier, donc faut vraiment que je me mette au pixel près. Non, il fallait que je me y mette un tout petit peu plus. On est tac. Voilà, là c'est bon. Tac. Sauvegarde rapide, et voilà, vous connaissez. Et après, faut que j'aille récupérer le bon coffre. Ce qui est un petit peu chiant. Un petit peu chiant à récupérer ce coffre. Mais voilà, après c'est à peu près la même chose, faut pas que je mange de mobs, de fight, etc. Donc on va faire ça pour récupérer un fameux plateau d'argent. Tac, je fais un safe state parce que je sens que je vais pas y réussir du premier coup, hein. Ça me semble très galère. Je m'y attends. Déjà faut spammer le... Vraiment que je spamme le bouton là pour instantanément descendre. Ok, putain, ça me semble vachement long le chargement, j'espère que ça va le faire. Et là, ne pas se manger de mob, hein, surtout pas. Donc là, voilà, il y a ce gros lard là, c'est déjà très relou. Oh non, t'es chiant mon pote. Je t'aime bien, mais... Et qui là, ok, cavalier, ça me va. Et le coffre il est juste en bas. Oh putain. Toujours ces mobs. Le coffre est juste là, faut juste que je l'ouvre. On va voir, c'est un plateau d'argent. Évidemment, il se met dessus. Non mais les gars, ils font. Faites pas d'efforts là. Attends. Est-ce que je peux l'ouvrir le coffre là? Oui. Un éclat de bombe. Ça ne fonctionne pas. Génial. Attends, 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 attends. Là, je suis sur le bon timing. Hein. Je suis sûr à 200%. Là ça va, c'est pas un mob obèse donc je peux passer. Ah voilà, ok, j'ai dû je pense appuyer sur le bouton une demi seconde trop tard, genre vraiment unlucky. Unlucky, bon bah voilà, ça c'est fait, merci à tous. Non, je veux évac, mais ça lag. Voilà, nickel. On se barre de là. Alors, le nouvel antre que j'ai exploré maintenant. Parce qu'on a récupéré un antre la dernière fois. Assez intéressant cet antre. Donc on va aller l'explorer. C'est celui-ci, crypte de Ruby de la souffrance. Ruby crypt. Ruby crypt. C'est où crypt? Là. Crypt. Souffrance Earth 86. Tac. C'est celui-là. Rank 10. Et là, il y a beaucoup de coffres là-dedans. Il y a beaucoup de coffres, donc on va bien analyser tout ça. Et des trucs de glands de métal, je crois que j'ai pas tout, non? Me semble, hein. Me semble que j'ai pas tout. Bah du reg, on va se TP, je vais check un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a 4 coffres là dedans, donc je vais quand même vérifier. Peut-être que j'ai des choses intéressantes à récupérer. Donc je vais voir ça vite fait. Mince. Dans l'équipement. Alors, épée, ça c'est sûr que je l'ai, l'épée. L'épée de lien de métal, j'ai la lance. Y a que ça, sinon après c'est le bouclier je l'ai. C'est qui l'a? C'est lui, et il a aussi Pénercure, ok. Ensuite le home, j'en ai un, voilà.
L'armure, la cotte de gland de métal, je crois que je l'ai. Cotte de gland de métal. C'est où ça? J'en ai pas? Attends, elle est où l'armure de gland de métal là? Je regarde bien. Peut-être que je l'ai raté, je suis aveugle. Cocotte de maille. What? J'ai pas de d'armure en fait. Je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté ou quoi dans mes trucs? Faut une armure de gland de métal. Dites donc. Les gants, je les ai, je suis quasi sûr. Quelqu'un doit être équipé des gants de gland de métal. Voilà, gants de gland de mercure. Le bas, y a rien. On sait pas pourquoi, hein, ça n'existe pas. Le bas de gland de métal n'existe pas, les jambières, non. Ils auraient pas pu faire des genouillères gland de métal, non, non. On sait pas pourquoi. Mais je les ai. Ça, c'est quasi sûr que je les ai, les bottes de gland de métal. Elles sont où? Ouais, je sais où. Et attends, attends, il y a des trucs qui manquent là. Attends, je vais regarder mon alchimanac là parce que je comprends pas là. Armure. On a dit le buste. On est d'accord, ouais, j'ai pas fait l'armure de Mercure, j'ai pas fait le. J'ai pas de cote de gland de métal. Ok, on est d'accord. Bras. Gland de mercure, ça c'est bon, je les ai faits. Après, il me faudra les gants de roi gluant ou gants royaux. Voilà, gants royaux, ça d'accord, ça je vais les faire, y a pas de souci. Jambes, ça n'existe pas malheureusement. Hein, comme vous le voyez, les deux qui me manquent, c'est juste les trucs d'alchimie ultime. Malheureusement, pied, bottes de gland de mercure, j'ai pas fait, je n'ai pas des bottes sur moi, et voilà. Donc ok, donc faut que je récupère aussi, on note, je vais noter ça. Donc du coup, premier étage, y a rien d'intéressant. C'est vrai que du coup, faut que j'explore tout. Oh là là. Vive les explorations d'antre. En plus, le rang des mobs est assez élevé, hein. Bah, de toute façon, c'est obligatoire, hein. C'est-à-dire que si vous voulez des bons coffres, il faut forcément un antre de haut level. Parce que les coffres S spawn que quand le rang des mobs est au max. Donc voilà. Donc B3, j'avais rien. Hero Spear, Pentarang. Qu'est-ce qui pourrait me manquer? Ah si, je sais. Je sais ce qui me manque. Je vois Muscle Belt, j'ai pas ça. Donc ça. Oh putain, c'est vrai qu'il me chase. Ok, on va s'amuser, je sens aujourd'hui, on va s'amuser là. Ça va être très très sympa là, tous ces mobs. Très relou, très tanky en plus. Hein? On n'y pense pas assez, mais ces mobs tankent pas mal. J'ai rien dit. Ouais, un petit peu, mais ça va quoi. Alors donc du coup le coffre il doit être en haut. Ce qui est quand même pas cool de mettre le coffre à l'opposé de l'escalier. J'aurais préféré que les deux soient à côté. Logique. Alors. Non. What? Mais Atomy.
Oh, je suis con, c'est niveau 3. Non mais vas-y, je suis débile. Je suis teubé, c'est niveau 3. Y'a pas de coffre au level 1. D'un entre. Oui, pour ceux qui savent pas, les coffres ils commencent au level 3, toujours. Y'a pas de coffre au niveau 1 et 2, donc voilà. Et j'arrête pas de me manger des mobs qui me spawnent dessus, c'est relou. On n'y peut rien. Je le détruis assez vite. Oh, de bêtes magiques, c'est toujours bien. Toujours ça de gagner. Et sinon, au programme, on aura aussi à récupérer, si j'ai le temps, hein, ça dépend comment j'avance aujourd'hui, récupérer des ailes de papillon. Voilà. Sinon, on fera ça la prochaine fois. Et quand je dis récupérer, du coup, c'est fauché, hein, y a pas trop le choix. Je vais faire un Marc Mago, ça va peut-être être plus rapide aussi. Non, pourquoi il me fonce dessus? Vas-y, fonce-moi dessus là. Wesh, il est aveugle maintenant. Mais je suis devant lui, il me voit pas, je passe sur le côté, il me voit. C'est vraiment débile. Hein. Vraiment débile ce mob. Hein. Avec sa hitbox complètement cassée en morceaux. Ah là là. Bon, niveau 3, j'espère qu'il va pas être trop relou. Je crois que les coffres ils peuvent pas s'afficher là. Détecte trésor. Ouais. Tout va bien, tout va bien. Ah non, me dites pas que les coffres étaient à droite au début. S'il vous plaît. Ok, il y en a un là. Lequel ce sera? Attention. Attends, j'ai déjà eu cet item ou pas? Ah, j'ai déjà eu, ok, donc ça sert à rien. Mug, ça veut dire quoi? Attendez, je vais chercher un truc. Ce que je viens de récupérer en gros, le Togmug, c'est bien ça. C'est le masque de brut. Masque de brut. Tac, alors Tugmug. Non, du coup, c'est pas ça que je vais récupérer, c'est Muscle Belt. Muscle Belt. Purpura. Pourquoi j'ai eu Purpura? On ne sait pas. Soit j'ai fait trop tôt, soit j'ai fait trop tard. Ok, on va faire encore plus tard. Voilà. Ceinture de force. Et ça, c'est le truc que je n'ai jamais eu. Je sais même pas dans quelle catégorie ça va, ce truc. Enfin, je dirais... Soit c'est là. Ok, c'est ici. Ceinture qui rehausse encore la beauté noueuse des muscles. Oh là là. Oh là là. Voilà, ça, c'est un truc que je n'ai jamais eu. Merci bien. Okay, je vais aussi donner du coup un accessoire à mon perso. Tac, voilà. Alors maintenant, faut trouver. Allez, ça supprime. Attendez.
Ok, d'accord, la sauvegarde rapide supprime le marque-magot. Intéressant, intéressant. Maintenant, est-ce que j'ai autre chose à récupérer d'intéressant sur le coffre suivant? Coffre suivant est un coffre B, donc on peut avoir des pierres enchantées. Toujours bien les pierres enchantées. Pièce d'or d'Audi. Il y a quoi d'autre de bien? Beast Claws, j'ai déjà eu. Hérospire, bien sûr. Pantarang. Peut-être que non. Je suis pas sûr d'avoir eu un pantaring déjà. Autant vérifier. Pantaring. Ah si. Ok, je l'ai déjà amélioré en plus. Ok. Ça voilà. What else? Beast Claws, j'ai déjà. Ouais, non, y a rien. Y a rien, on peut avancer. Ok, et là maintenant il y a deux coffres. Ah, et ça va être chiant. Après, en vrai, je m'en fous parce que les deux sont même timing. Dans le sens. Enfin, les deux déjà sont de même. En gros, il y a deux coffres à cet étage. Et les deux. Ah non, les deux donnent pas la même chose. Ah non, pas du tout. Ah non, il y en a un qui donne 3000 gold en boucle et l'autre qui. C'est pas grave. Je save maintenant. Celui-là, à mon avis, c'est le 3. Mais non, attends, what the fuck? Attendez. Non, il y a 3 coffres A carrément. Je dis de la merde. On va voir. On va voir. Je vais faire au pif. Je vais faire un peu au pif, je suis là. Très clairement, je vous le dis. Tac. Je save state aussi. Là, il y a vraiment un peu de tout là-dedans. Tac. Alors, si je sors maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai quoi? Pièce d'or, Wadi. Ok. 1. 2. 3, 4. Non! Oh non, c'est le pire coffre du coup. Attends, faut que je change le. Pitié. Pas de spawn sur ma gueule, please. Et ésotérique. Ok, je suis décalé d'une seconde. C'est pas grave. Décale encore d'une seconde. Ok, c'est bon. J'ai eu mon Reckless Necklace. On peut trouver maintenant les deux autres coffres. Ce qui n'est pas donné, hein. Alors, où est le coffre suivant? Oula. Non, t'es sérieux? Ah, j'ai envie de me barrer. Nice. C'est un peu relou les ténariums à buter, hein, ils se font un multi-soin et tout. Pas fou. Alors, où pourraient être les autres coffres? En soi, il y a une chance que. Bah non, c'est vrai que je viens de me manger un fight. Bon, ça ruine tout. Parce que sinon, si j'enchaînais sur les coffres, il y a moyen que je chope le deuxième pendentif négatif direct. Et là, le fight a tout ruiné. Pff,
Où c'est? Ok, il y en a un là. Ok, bon. J'ai aucun indice sur c'est quoi le coffre. Ah, de toute façon. Ah, c'est bon. Bah, c'est bon du coup, hein, voilà, pendant ce négatif, merci. Oh, il a l'autre coffre. Juste merci en fait. J'ai pas fait exprès. Hein. Vraiment, j'ai pas fait du tout exprès. Hein. Voilà quoi. Merci le jeu. C'est comme le coup de l'éventail l'autre jour. Hein. Tac. Tac. Alors si je sors direct, qu'est-ce que je vais avoir? Ethereal Stone. Ah donc celui-là, attends. C'est celui-là? Mais non. Mais je suis mort. Je suis sur le A2. Ok. Ah, oh, je suis entre les deux. Oh, j'ai le seum. J'ai le seum. Je vas-y, c'est bon quoi. Genre, y'en a un qui est sur moi là. Mais quoi? Ah mais je suis niqué du coup, bravo. Ah merci, génial, je vais pouvoir recommencer. Nickel, merci pour le troll hein. Je crois que ça marche pas hein, si je sors du truc. Ok, allez, on passe au l'étage suivant. Pourquoi j'ai de la chance dans mes casus? J'en ai marre, je veux de la chance dans mes speedruns, pas dans le casu. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre vraiment. Y'a un mob qui ruine mon... Merde. Un mob ruine mon truc là en faisant le. Mince. Un mob qui ruine mon. Pas mon chemin, mais comment dire. Vous avez capté, un mob qui. Qui se met sur le coffre et qui m'empêche de le ramasser au bon timing. Qu'est-ce qui se passe? Quand je termine le fight, je tombe sur le timing de la cote de gland de métal. Comme par hasard. Incroyable. Vraiment incroyable. Bon. Sinon, à part ça, où est le coffre A ici? Là-dedans, il y a deux coffres. Le A devrait être par là. Du moins, je l'espère. Ok, il y a un escalier ici. Elle est près la boa. J'ai envie de crever. Je déteste ces mobs. Ok, normalement, il y a le coffre. Ok, ça, c'est le premier coffre. Quasi sûr. Je suis quasi sûr. Hein. Je suis quasi sûr. Et dans ce coffre, par contre, il n'y a pas grand chose. Les bottes, elles sont pas là. Hein. Hop, c'est parti, je lance le chrono. Parce que là, il y a forcément des mobs qui vont spawn ici. Je sens gros comme une maison.
Je vais me placer. Je sais pas lequel est le meilleur endroit. Je vais dire là, mais bon. Je le sens pas trop. Je vais save un autre slot. Tac aussi. Alors, botte de gland de métal, c'est où? C'est pas tout de suite, hein. Il va falloir attendre un peu. Je vois une épée qui arrive. Shield non plus. Gauntlet non plus. Bon, bah, il manque juste les bottes. Il y a tout qui est passé là dans la liste, mais sauf les bottes. Donc là, je suis obligé d'attendre. J'aurais mieux fait de choper la cote de gland métal là-dessus, quoi. Sur ce coffre, mais bon. Putain, mais il est où le. Il est pas là du tout, hein, l'autre. Les bottes, Spear. Ah, ça y est, Spear, peut-être que je vais avoir. Non, je retrouve encore un Home. Ah, ça y est, Solray. Pourquoi j'ai un élixir du sage? C'était pas le bon truc? Vous êtes en train de me dire que c'était pas le bon truc? Si si, forcément c'est le bon truc. Attends. Si 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 si, c'est le bon coffre. Mauvais timing, mauvais timing. Wesh, y a pas que des fioles et des cuirs du sage là. Lance de gland de métal. Ah, ok, d'accord, je suis un peu tôt. Non. Non, non, non. Merci. Dans la merde là. Ah non. Ah non, bah, pas du tout. Non non, l'escape de génie. Hop là. Allez hop, je me casse. Ciao tout le monde. Bonjour la Glandor. Alors, level 6, je suppose qu'il y a, mais vas-y, je prends au pif. Agressance. Ok, merci. Les autres coffres, je les prends au pif, hein. Très clairement, je m'embête pas. Tiens, encore un autre. Bonjour, là, il y a quoi? Il va y avoir. Flamme d'Héphaïstos, non. Je vais attendre, enfin Marc Mago peut-être. Ok, on ne voit pas l'escalier. Normal, c'est au nord. Ok, c'est pas loin. Hop. Donc après rendez-vous niveau 11 pour les deux coffres qui sont au même étage, et ça c'est à la fois cool et pas pratique. Dis donc qu'en fait faut pas se planter. Oh putain, la hitbox pétée de ces mobs, j'en ai marre. Dis donc c'est pas trop grave les deux coffres S au même étage, dans le sens où il y a que ça en fait. S'il y avait un autre coffre et t'as des risques de te planter, ce sera embêtant. Mais là, vu qu'il y a juste deux coffres, bon voilà. Donc là, faut que je trouve. Faut que je fasse Marc Mago. J'ai perdu l'habitude de faire Marc Mago en boucle. Il veut pas me voir l'armure? Non? Voilà, bonjour. Alors, c'est pas par là, à mon avis, c'est plus par en bas. On voit rien. Mais t'as peur de tes morts.
prends ça. Blam. Attends, quoi? Comment ça, ça... Ouais, quand même, enfin, genre en limite à peur, ça a pas 500 HP, hein, au moins faut se calmer. Oh tiens, je suis level 98, incroyable. Et voilà, le coffre qui est un petit peu plus bas. Pas de... merci, pas de prêt la boa, j'ai pas envie de ça. Ouais, c'est du level 6 à 11. Y'a rien en coffre, y'a vraiment que des coffres A. Coffre pourri. Enfin, en dessous de A, genre du... ça va de B à... de B à F. C'est vraiment pourri. Non, 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 toi tu ne m'as pas vu, s'il te plaît. Tac. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Nice. Non, j'en ai marre, c'est mobs, je les déteste. Je les déteste, ils sont insupportables. En plus, ils font des rats de marée, des gigalecs, je crois. Enfin, que des trucs chiants. Tac. Ensuite, non. J'oublie de faire marque Mago. J'oublie, je n'y peux rien. Voilà, c'était juste à ma gauche, mais vu que je suis con. Pense qu'il va me voir et je suis... oh bah tiens, lui en dort, je ne me gêne pas, lui en dort sur mon chemin, hop là. Il m'a pas vu, vas-y. On va le tuer à la lame de métal. Je suis con, Shadow, il a une épée de mercure. Je sais pas si je le tue. Hein. Non, il tank trop. Ça a beaucoup d'agilité, donc je pense qu'il moodspeed, il se barre. Ah, oh, il fait un grand sourire malicieux. Incroyable. Ok. 10 000 gold, merci bien. Ça régale. Alors, ensuite. Escalier, par là. Oh bah, pff, ok, j'aurai un frontin, hein, je veux dire, c'est 10 000 gold gratos comme ça, je ne dis pas non. Hein. Ah non, et qu'il a joué en deuxième. Bon, bah. Zut alors. Faut qu'il a joué en dernière pour mettre si possible 4-4 en dégâts. Ce serait l'objectif. Ou alors je peux aussi équiper Misora d'une lame du faucon pour ce fight là. Ce serait un petit peu plus intelligent de ma part aussi. Et... what? Mais comment ça il y en a autant? Non, non, normalement ça ne spawn pas autant hein, ces mobs là. Hein. Genre non, 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 hein, normalement il n'y en a pas autant. Lame du faucon, tac. Les glands de métal. Oh, j'espère qu'ils vont pas tanker. Oh, ok, c'est bon du coup. Ouais, voilà, pas trop besoin de changer d'arme hein, au final. Ah là là. Très utile les lames de métal. Ah, je garde comme ça pour l'instant, mais... mes épées, j'ai pas trop besoin de changer en soi. Allez, 10 000 gold pour Bibi. Arc Mago, j'ai encore oublié. Tout va bien, tout va bien. J'étais sur le bon chemin. Il y avait un coffre qui s'ouvre à moi là. Sur mon chemin. C'est un piège, non, c'est faux, c'est de l'eau magique. Ok, alors maintenant, faut. Trouver le premier coffre, donc je vais explorer d'abord cette partie là. Non, t'es sérieux? Il était encore dans le sol, c'est vraiment abusé. Hein. C'est vraiment abusé. Tu me vois pas?
je te déteste. Mais quoi? Mais il a vraiment fait un... comme ça, genre, deux piquants. Attendez, what the fuck? Clipper ça. Ah non, merde, c'est vrai qu'on n'est pas en live. Ah là, dommage. Je verrai sur le replay. Alors, donc... premier coffre. Bon. Alors, il y a un critical fan. Ah, attendez, j'ai pas reset. Critical fan à 13 secondes. Pas mal ça. Alors je réfléchis, tac. Je vais save. Et là j'ai quoi? Pièce d'or d'Oadi. Ok. Je crois que c'était le mauvais. Attendez, je regarde à nouveau. Oui, c'était clairement le mauvais. Donc celui-là, ok, celui-là, il va falloir que je recommence. Ok, c'est bon, on y est. Putain. Tout, voilà. Ah non! Ah, c'est bon. Merci, bon Dieu. Oh là, il est bugué, lui. Allez, hop, je me casse. Oh, vas-y, je déteste ce mob. Ok, ça a pris 3 ans, j'en ai marre. Pour un foutu éventail, voilà, et là je m'énerve sur ce mob là. Bien fait pour lui là, à me chase tout le temps, là. Il m'a vraiment ruiné des tonnes de timing. J'ai perdu à peu près un quart d'heure de ma vie sur un foutu chase timing à cause d'un mob à la con. Voilà. Et je peux pas passer. De toute façon là je crois que je peux pas... non. Y'a rien à faire. Est-ce qu'il y a un coffre par là? Je pense, hein, je suis quasi sûr. Qui va se retrouver par là, le deuxième coffre. Voilà, évidemment, bien à l'opposé de tout. Allez. Donc celui-là, c'est le coffre numéro 2. Et il a une un critical fan au bout de... je crois au bout de pas longtemps. C'est ça, au bout de... au bout de... d'une dizaine de secondes à peine. Tac. Hop. Pas de spawn. Merci. Allez hop, je me casse. Merci, c'est bon. On a terminé le chest timing aujourd'hui. Let's go, mesdames et messieurs. C'était beaucoup plus rapide celui-là. Hein. Vous avez vu, dès qu'il y a un mob qui m'emmerde pas, hop là. Hop là, c'est bon. Je fais toujours un safe state par précaution, parce que j'ai pas envie de me faire troll à nouveau et de perdre 3 ans. Désolé hein, pour ceux qui sont vraiment sur DS et qui le font, c'est extrêmement chiant quand on a ce genre d'entre où on se fait chase en permanence. Mais bon, là voilà, je veux pour la vidéo, pour que ce soit un peu plus, comment dire, que ce soit pas non plus chiant pendant 3 ans, et encore là ça va être très chiant et j'ai fait du montage sans doute, parce que voilà quoi. Mais du coup, je préfère quand même utiliser un peu les safe state pour gagner du temps, parce que sinon laisse tomber, genre vraiment, laisse tomber, à quel point c'est chiant. Donc voilà, en tout cas c'est fait pour aujourd'hui. Non. Je les déteste. Vraiment, je les déteste ces mobs. Je vous dis pas à quel point. Pourquoi je lag un peu là? C'est bizarre mon jeu, j'ai l'impression qu'il lag. Très bizarre.
En tout cas, ils font zéro dégâts eux, sauf lorsqu'ils font un raz-de-marée, évidemment. Dès que j'ouvre ma gueule, hein, voilà. Génial. Ça me fait toujours de l'or et de l'XP. On me dit pas non. Par contre, niveau drop, évidemment, je n'aurai rien. Rien me donner, eux, c'est des. Comment dire. Des radins. Si, je crois qu'ils ont un bâton du début. Ouais, ouais, il me remarque pas, merci. Mais ouais, voilà. Il nous reste 2 ou 3 étages là et on est bon. Et cette fois-ci, je vais aussi jouer avec les safe states encore une fois pour avoir un entre du plus haut niveau possible. À l'aide ! Ok. Ça vient fonctionner le à l'aide. Hein. Oulala, Excalibur. Tiens, on va faire un petit soin. Tac. Hop. Faudra que je joue avec le safe state pour avoir de quoi briser ce chatané saut. Oui, oui, oui. Chatané. Lui, il aime pas la glace. Pourquoi si le recommence, je ne sais pas. Bonne question, hein. Après, c'est vrai qu'il a plus son truc d'agilité, Shadow en accessoire. Multilame. Ok. Stoïcisme, j'en ai rien à faire. Je vais juste déglingue en 2 tours. Tac. Tac. Et là, bon, en vrai, je le finis, hein. Je pense. Si le temps d'ordre veut bien. Et si Mood Speed pas. Putain, il a esquivé un coup, sinon je le tuais. La blague. Abusé. Parce que là avec le combo je le tue hein. Mais le fait qu'il ait esquivé ça casse tout le combo. Ça a annulé tous les dégâts de Ekila. Génial. Vous allez voir là il crève normalement du coup de Ekila. Mais non il aura outspeed mes gens. Oh non mais vas-y il est insupportable. Non. Est-ce que tu peux aller crever s'il te plaît. Non je suis pas violent du tout hein. Juste il me saoule. On va faire un petit soin avancé et qu'il a. Tiens là cette fois bah, cette fois Shadow il joue en premier. Puis c'est Mizora, ça n'a aucun sens ce fight. Bon voilà, c'était très très relou. Tac. Ok, pas de drop, c'est bon, je vais save state. Tac là. Alors on a quoi? Niveau 87, non. ...59, sûrement pas. Non. Non. Ça va prendre un peu de temps. Après, ça va peut-être être compliqué. Hein. Sinon, je peux essayer de trouver un entrée avec des très beaux coffres aussi, encore une fois. Crypte d'acier, non. Pose de diamant de la mort. Oh, attends. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça j'aime. Ça j'aime. Je sais pas pourquoi, moi je vous le dis, j'aime. C'est un Nantes que j'ai jamais eu, ça. Même en termes de nom, déjà juste le nom, je le trouve stylé. Ok, donc ça contient déjà Tyrannomorph, c'est pas mal. Ouf. 7 coffres A, what the fuck. Par contre, 0 coffre S. Ah dommage hein, parce que c'est rang... En vrai non, ah bah non il n'y a pas de... Parce que pourquoi s'il n'y a pas de coffre S? Parce que le rang des monstres monte jusqu'à 11 et pas 12. Donc c'est pour ça. Sinon il était intéressant ce coffre. Je regarde un petit peu en vrai ce qu'il y a comme... Parce que... Est-ce qu'il y a facilement des pierres ésotériques à choper? Enfin faut quand même pas mal descendre hein. Ah faut descendre vachement bas hein. Pour aller en chercher.
Dommage. Ça semblait intéressant. Mais bon. Tac, on annule. Repère de bons malheurs, sûrement pas. Tanière d'acier, non. J'ai l'impression d'avoir une bécu de merde là. Crypte de saphir du malheur. On va regarder, mais ça me semble pas fou. Hein. J'ai l'impression que je monte pas au-dessus de 89 en termes de level, c'est un peu triste. Aucun coffre A, coffre. Voyons voir un peu les coffres. Non, ils sont qu'à partir du niveau. Oh, en vrai, j'ai de la merde. Pourquoi j'ai de la merde comme ça? Volatila, c'est génial. 15 étages, non, je ne veux pas de ça. Non, j'ai de la merde encore. J'ai eu un rôle de BQ assez mauvais, je crois. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces antres? Crypte du diamant. Bah, vas-y, on va essayer. Diamond. Crypt level 86 pour changer. La plupart sont quand même. Bon, j'espère que j'ai juste pas celle qui est pourrie, mais sinon les autres sont tous de rang 12. Ah non, quoi que j'ai rien dit. C'est de rang 10. Mais il y a du monstre level 12, donc peut-être que. J'espère. Alors, j'ai laquelle? Mais non, tu te fous de moi, j'ai vraiment celle où il n'y a rien. J'ai celle où il n'y a rien. Génial. Ok, j'ai un rôle de BQ. L'ante que je viens d'explorer, là, c'est laquelle? Celle-ci, on explore. Bon, c'est celle-ci, level 86. Et je suis surpris hein, de trouver des trucs aussi pourris. Hein. Repère de diamant de la peur. Hein. Mais vas-y, j'ai de la merde. J'ai de la merde. Repère de platine, ceinture niveau 58. Vous vous rendez compte, 58, c'est pourri. Pourquoi c'est aussi pourri? Indoor, 69, super. Trop content. Glacier de bronze. Ouais, ça pue ma BQ là. Rivière de rubis de la joie. Ah, attendez, ça peut être intéressant. Je vais check vite fait. Parce que ça, c'est. J'ai des trucs très 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 bas sur les deux. Avec un truc très fort. Niveau KM 68. Donc il y a moyen qu'il y ait quelque chose. Voyons voir. Ok. Ça c'est du très très bon, je crois. Ok, ça c'est bien ça. Ça oui. J'ai celui dans le poison. 4 coffres S. Ok, donc vous voyez, le boss, c'est mon glu ancien. C'est un truc pourri. Mais par contre, il y a 16 étages et monstre hyper fort. C'est un entre haut, donc c'est assez pratique. Enfin, ils sont assez agréables à explorer. Et là, voyons voir un petit peu les coffres. Oh là 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 là. Oh là là, magnifique. Génial cet entre. Génial. Nickel. Bon, bah du coup, tac, on range la carte de celle-ci. Et on va aller se faire quelques ailes de papillon, je pense. Donc ici, hein, c'est les meilleurs mobs pour avoir des ailes de papillon. Alors, fouche.
Je peux combien il m'en faut. Nice crit. Coagulant, génial, j'ai eu le truc. Oh non, ils vont être loueux. Ils vont être très relous. Faudrait que je les endorme à la limite, peut-être. Ah merde, c'est celui que j'ai déjà fauché. Super, j'ai perdu pas mal de temps. J'ai le drop rare d'abord. C'est pas eu tout ce que je voulais. Encore un crit. Ok. Et j'ai volé une aile de papillon. Okay. Il m'en faut combien d'ailes de papillon? J'ai pas du tout combien il m'en faut. J'ai noté ça quelque part. Ok, il y en a 3 là. Je crois que je vais les endormir. C'est ce que je vais faire. Après, je sais pas s'ils sont sensibles à ça. Mais bon, s'ils font que de fuir, ça va être relou, donc torpeur. J'ai pas méga torpeur. Non. Bon. Ok, il y a un seul qui dort sur les 3. On est bien. Ok, une deuxième aile de papillon, je suis déjà à 2 là. 3. Est-ce que le A va rester? Voilà. Aile de papillon, 25. Non, faut pas 25. C'est vrai. Faut que je fasse les masques fantômes et tout. Il est vrai. Ok, on est déjà à 4. Et j'ai eu un coagulant. Malheureusement, je vais avoir des coagulants de temps en temps. J'en ai combien de... d'elle, j'en ai 7. 7. 7 plus... Ah oui, non, mon truc est plein. Ouais. Mon truc est plein. Pff, ok. On va tenter un dodo. Ah, ça marchait un petit peu mieux là. Neuf. 10. Bon, ok, ok, ok. C'est bon du coup, c'était rapide. Donc 25, il m'en faut un. C'est pas du luxe. Je peux essayer d'en drop aussi, il y a toujours moyen. J'aurais dû faire torpeur. Et voilà, je me fais punir. Ok, on est à 12. Encore un coup critique. Bon, en soi, on a presque fait la moitié. Faut se dire ça. Je sais pas ce qu'il a, s'il doit se faire tout le temps para. Il pue un peu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
Heureusement que la para sort, enfin se... ne continue pas hors des fights, hein, parce que sinon, c'était comme dans Pokémon, ce serait chiant. Après ça, dans Pokémon, tu peux jouer un peu quand même. T'es juste ralenti, alors que là, c'est tu peux rien faire. 14. Non, j'ai tapé le A. Ok, c'est bon. 15, on est à 15. Encore 10, en vrai, ça va. Mais what the fuck? Il m'a paré à 3 persos. C'est quoi ce mob? Sérieux? Imaginez, il me part mes 4 persos en boucle. Que fais-je? Parce que bon, il n'arrivera jamais à me tuer, du coup, je suis juste bloqué en boucle dans le fight. Ce serait terrible. Dodo, ça n'a pas du tout fonctionné. Ok, 16. Bon, le truc le plus chiant, ce sera d'aller faucher les foutus mascothèques. Ou les grimasques. Oui, c'est les grimasques. Eux, ça va être assez... voilà, quoi. Vous n'allez pas trop kiffer l'épisode, quoi. Ça va être 60 eaux fraîches à récupérer sur des grimasques. Je vais peut-être essayer de faire une map méthode pour ça. Trouver une map méthode. Parce que sinon, je me dis, ça va être affreusement chiant. Juste passer une heure entière à faucher, et encore... Pour cela, il faut que j'ai une eau fraîche par minute. Faut que j'ai tout avant la fin de l'épisode, ce qui n'est pas gagné, hein, parce que... Attendez, on est d'accord que là, j'ai tout raté, là. J'ai tout raté, là. Je rate tout, what the fuck. Mais what? Mais... Waouh. J'ai quasiment tout raté, là, maintenant, ils vont me parer à toute ma team. Allez. Non, c'est bon. Ok, le C subjugué, le B... C'est bon, ok, super. C'était dur. Et donc, ouais, je disais, voilà, faudrait que je trouve une map méthode, en fait. Je suis à 19, là, je crois. 19, L, ouais. Faudrait que je trouve une petite map méthode pour cela. C'est-à-dire, dans le sens, vous savez, comme pour les farming de graines. Je sais pas si vous voyez le truc. Ah voilà, en gros ce serait ça, mais juste pour farmer de l'eau fraîche. Ça me ferait gagner du temps, quoi. Faudrait que je cherche ça en hors vidéo, tu vois. Que je passe du temps là-dessus. J'ai toujours pas fauché le B, c'est compliqué. Le C, pardon. C'est dur, hein. Merci. On est à 20 L, je crois. Il manquerait plus qu'on me drop quelques trucs, là, vite fait. Ce serait nickel. Ouais, 12% de chance de drop. Allez. Du coup, ça monte même à 25%, du coup. Puisque je suis... Puisque j'ai le truc du... la médaille du voleur, là. Enfin, non, pas la médaille, le parchemin, je veux dire. Attention, ne pas confondre la médaille et le parchemin. Oh, la médaille, j'ai même pas, en plus. Faudra que je fasse des renovations. C'est aussi... Pardon, j'ai touché ce mec, là. Ah ouais. C'est un peu aussi l'objectif... Enfin, un des trucs à faire bientôt, c'est renouveau toutes mes classes sur mon héros. Pour deux choses. Choper toutes les médailles.
et aussi avoir la BQ qui redescend à très très bas. Puisque la BQ c'est la base quality et ça dépend de votre plus haut niveau sur n'importe quelle classe, de votre nombre de renovations et du dernier rang de visité. Et là je voudrais redescendre le plus bas possible pour trouver un... comment ça s'appelle? Ouais, un antre à deux étages, tout simplement, un antre très rapide qui me permettrait de faire des farms de BQ. J'ai quand même quelques renouvocations malheureusement, mais en soi ça peut, je peux toujours atteindre quand même une bonne BQ, enfin des BQ assez bases dans les 20, parce qu'en gros si je mets toutes mes classes level 1, on est à 1 de BQ, plus mes 4 renouvocations, ça fait monter 4 x 5, 21, et si je farm un antenne de niveau 1, ça fait 22 en gros de BQ, ce qui est très bien. Ce qui est très faible. Sachant que le maximum qu'on puisse avoir est 256. Ah mince. Du coup, j'ai pas suivi lequel j'ai fauché, lequel j'ai pas fauché. Le A ne porte rien. My bad. Le C, il a encore quelque chose. Et le B aussi, ok, d'accord. Super. Et là, full para, nickel. Toujours si loin, hein. On remarquera. Hein. Eh, j'y arrive pas. Oh là là, parade de l'attaque paralysante, incroyable. C'est du genre de faucher des fois, je sais pas pourquoi. Merci. On est à 22. Il m'en faut 25. On y est presque. Et après, bah, ce sera parfait pour clôturer la vidéo. Voilà, on aura fait ce que je voulais. Dans la vidéo, en vrai. Moi, je voulais faire ces trois choses. Là, c'est-à-dire le plateau d'argent, explorer tout l'antre avec du chest timer, ce qui était le plus gros de la vidéo, et terminer par du farming de ailes de papillon. Et on a réussi à faire un peu tout ça. Sur les 1 heure, je pense que ça va faire 1 heure de vidéo, donc c'est nickel. In-game time, c'est pas vraiment 1 heure, parce qu'en soi, j'ai pas mal fait de retour en arrière et tout, avec les save state, le chest timing, tout ça, comme la dernière fois. Mais voilà, en tout cas, on a 1 heure de vidéo. Ce qui reste le principe du let me play, à peu près. Grossièrement. Hein. Du coup, voilà. Alors, je voudrais avoir quelques encore ailes de papillon. Là, j'ai eu un coagulant, c'est pas ce que je veux. Voilà, si je peux avoir les 3 d'un coup là, ça régalerait. Ok, bah non, coagulant, donc c'est pas bon. Aile de papillon, ok, plus que le B à faucher. Coup de grâce, ça va être meuf, ça va être. Vachement utile, ok. Je suis à 23 là du coup, je crois. 23 le papillon. Au revoir. Une fois que je les ai raquettés, c'est bon, ils peuvent partir. Hein. Moi, je ne les retiens pas dans ce fight. Hein. J'en ai pas une dans mon inventaire à tout hasard. Pas du tout, mon inventaire est totalement plein. Ok, bah viens par là toi, tu seras le dernier. Est-ce que t'as des potes avec toi? Oh là là. Tac, bon, il y en a moins un des deux là qui va me dropper une aile, voilà, c'est bon. Nickel, bon bah écoutez, du coup, on va pouvoir s'arrêter là, je vais rentrer au bercail, hein, c'est Rabusia comme d'hab. Je vais un peu trier dans mon inventaire et je vais, entre les deux épisodes, je vais réfléchir, voir si je trouve une map méthode pour de l'eau fraîche. On va voir ça, tester. Enfin, je testerai de mon côté, hein, et puis bah, vous verrez la prochaine fois si j'ai trouvé de quoi. Donc voilà,
je vous tiendrai au courant. Vous saurez assez vite. Et évidemment, une... voilà, j'aurais pas pu l'avoir avant ce drop, comme ça j'aurais bien fini un top fight plus tôt. Ce farming, mais non, non. Évidemment. Ah là là. Tac, on rentre. Petit écran changement. Et bah voilà, tac, je me save state ici. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà, comme j'ai dit, la semaine prochaine, ça va être sûrement du farming d'eau fraîche. Faut que je trouve une map méthode, mais voilà. Après, c'est un petit peu compliqué, hein. On va dire que ça va prendre du temps. Donc on verra. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde.